De talent, Daisy Frangine, artiste chanteuse ivoirienne. Clash, rivalité, convoitise et chisa sont les qualificatifs que subit la jeune artiste en ce moment. Quoique avec sa dernière sortie, prête à payer un homme qui va l'aimer. Et bien aujourd'hui, dans ce Fafa, recevons Daisy Frangine. Bonjour Daisy. Bonjour. Comment va l'artiste? Je vais très bien, merci. Bah, c'est vraiment un réel plaisir pour nous de te retrouver dans le Fafa atypique. Mm-hmm. Voilà, Chola, notre invitée est là. Oui, elle est là, elle est belle, elle est rayonnante. Très belle, avec des talons bleus. Alors, ce que moi je voulais demander à Daisy, est-ce que Daisy est prête pour le Fafa? Ah, je suis toujours prête. C'est super. Mmh. Parce que nous aussi, on t'attendait avec impatience. Voilà, d'accord. Voilà. Avec beaucoup d'impatience. Oui, en ce moment, Daisy fait le buzz sur la toile. Voilà, tout le monde parle de Daisy. Mmh. Et surtout de son franc-parler. Hein. Tout le monde sait que Daisy n'a pas la langue dans la poche. Mmh. Donc voilà, nous, on a pas mal de questions à te poser. Les téléspectateurs, pardon, aussi. Donc, c'est le moment de, on va dire, de se mettre à nu. D'accord. Ouais. Okay. Et surtout qu'on sait que tu n'as pas ta langue dans la poche, parce que tu es quelqu'un qui a un franc-parler assez réel. Je pense que c'est pour cela que ces derniers temps, les téléspectateurs ont commencé à voir une autre facette de ta personne. D'accord. Que peut-être que tu n'avais pas encore dévoilé, mais je pense qu'il est temps que tout cela soit dévoilé. Mais en parlant de ta facette, tu avais deux facettes dans le temps, parce que tu as commencé ta carrière avec les Frangines. Mm-hmm. Vous étiez en duo. Absolument. Alors, on n'a plus de nouvelles de ta binôme. Oh, elle va bien. Elle va bien. Il faut, comme je disais au départ, on est rentré, si vous voulez, j'ai commencé seule à enregistrer chez Pachi. Oui. Et c'est ma soeur qui a dit, mais vous êtes toujours ensemble, donc faites ensemble en même temps. Mm-hmm. Donc à la base, c'est moi-même qui voulais chanter. Ok. Voilà, et on a enregistré le titre chez Pachi. Donc j'avais même commencé seule. Okay. Et puis après, elle a rejoint le groupe. Mais on était dans une phase où on était vraiment en train de s'amuser. Okay. Et après ça, moi, j'ai dû repartir pour mes études. Elle aussi, elle travaille aujourd'hui dans l'événementiel. Bien sûr. Elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Et voilà. Sinon, il n'y a pas de, y a pas eu de, d'ambiguïté, de problème à part ça. Mm-hmm. Toujours tout en contact, passe. Non? Oui, bien sûr. C'est la marraine de ma fille. Super. Donc, à chaque anniversaire, on est vraiment en contact régulier. Okay. Déjà, moi, j'aimerais que Daisy se présente à nos téléspectateurs. Hein. D'accord. Qui est Daisy à l'état civil? Je suis Gueli, Licane Marie Désirée. J'ai 33 ans, maman d'une fille de 11 ans. Et je suis animatrice télé, radio et entrepreneur. D'accord, ok. Voilà qui est clair. Hein? Okay, ouais. Alors, Daisy, mm-hmm. il faut dire qu'en ce moment, tu fais le buzz sur la toile. Mm-hmm. Déjà, moi, je voulais parler de ton amitié avec José de la Tour. Mm-hmm. Voilà. Comment l'amitié a commencé entre vous deux? Qui est venu vers qui? Mes souvenirs ne sont pas très très clairs par rapport à ça. Mais je sais que la connexion s'est faite. Franchement, je ne vais pas... Si j'explique exactement le jour, le truc, tu ne te retrouves pas vraiment. Je n'ai pas de vrais souvenirs. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça s'est fait. Ça s'est fait, mais franchement, c'est... Je bloque en fait. J'ai vraiment des blancs. Mm-hmm. J'ai vraiment des blancs quand on parle de ça, mais... Franchement, je mais toujours est-il pas que exactement. Vous étiez voilà. amis dans le temps. Mm-hmm. Combien d'années d'amitié? Cette amitié a duré combien d'années? Ouais. Combien d'années? Est-ce que c'est années? On va dire peut-être un ou deux ans. Un an ou deux ans. D'accord. C'est pas une longue amitié. Non, pas une longue amitié, non, pas du tout. De toute façon, il faut comprendre que c'est une fille qui travaillait dans un espace. Mm-hmm. Où j'allais quelques fois. Donc, je pense qu'on a, des amis en commun. De ce que je me souviens, je pense qu'elle est venue vers moi. Mais après, comme elle a dit que c'était moi qui étais... Enfin, que ça s'était fait par le contact d'une personne, mon souvenir n'est pas très clair par rapport à ça. Voilà. Mais je suis sûre d'une chose. En tout cas, moi, personnellement, c'est très rare, en fait, pour moi, d'aller vers les gens pour commencer une amitié. C'est parce que c'est quelque chose que je fuis vraiment. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai gens...
une amie à la fois. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup. Donc voilà, mon souvenir n'est pas très clair par rapport tu à ça. Tu n'es pas dispersée en matière d'amitié. Pas du tout. D'accord. Alors, lors de votre face-à-face sur le plateau, je dirais un face-à-face parce que pour moi, ce n'était pas une manière. Bon, après, chacun voit sa manière lui de régler les choses. Mais il fallait de venir au face-à-face. Oui. Déjà, le face-à-face s'est fait de quelle manière? Parce qu'on a oublié de dire que Daisy ne savait pas que José était là. Mmh. Et José non plus ne savait pas que Daisy venait. Mmh. Ok. C'est fou. Ah, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut comprendre... Donc, on vous a piégé. Bon, je dis, on va appeler ça comme on peut, mais je veux dire, même quand on dit qu'on t'a piégé, tu as une responsabilité, parce que même quand tu arrives et que tu découvres, tu peux partir. Mm-hmm. Voilà, donc je veux dire, moi j'endosse cette responsabilité-là, pas de venir me mettre pour dire on m'a piégé, parce qu'on ne m'a pas piégé jusqu'au bout. Si même on m'avait piégé, si je suis arrivée, j'avais la possibilité de partir, je ne suis pas partie. Mm-hmm. Mais je ne savais pas, parce qu'il y avait même une émission qui m'avait déjà contactée, vous dire on allait faire une sorte de réconciliation. J'ai refusé parce que j'avais pas envie de me retrouver dans ce genre de situation. Mm-hmm. Donc nous on ne savait pas, on a demandé un brief, on nous a dit ils vont parler de ta carrière et tout, mais la raison pour laquelle je suis allée sur ce plateau comme je disais dans mon live, c'est qu'il y avait beaucoup de ça n'arrêtait pas avec les questions de problèmes avec Ividero, problèmes avec Ividero. Mm-hmm. Donc quand je reçois l'invitation, je me dis bah c'est le moment en fait d'aplanir les choses, de finir avec ça en fait. Exactement. Pour ne pas à chaque fois revenir dessus. Donc il fallait affronter le problème une fois pour toutes. Okay. Donc en partant sur ce plateau, je savais que j'avais eu des démêlés avec la dame, mais je me disais on va arranger et on va passer autre chose. Voilà. Ouais. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais après, quand tu découvres tout ça et tout ce tableau dans lequel, cette situation dans laquelle tu te retrouves, tu ne te sens pas un peu trahi? On ne va pas parler de trahison. Comme je dis là, honnêtement, je pense avoir manqué de sagesse. Parce que avoir manqué de sagesse, c'est-à-dire être peut-être allé jusqu'au bout de l'émission. Parce que pour moi, manquer de sagesse ou bien m'être laissé entraîner par la colère et par les émotions. Sinon, j'arrive sur le plateau, je sais qu'on ne m'a pas prévenu qu'une autre personne serait là. J'avais le droit et la possibilité de partir. Donc, si je ne suis pas partie, je ne peux pas dire que quelqu'un m'a trahi. Mm-hmm. On va dire que voilà, la colère est juste mauvaise conseillère. Alors, je dirais, bon, ton ex-ami, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, elle a déclaré sur le plateau, on va y arriver. Mm-hmm. Elle a déclaré sur le plateau comme ça que tu as tenté de l'amener chez les marabouts et puis elle a refusé. Mm-hmm. C'était pourquoi en fait? Pour lui donner de la gloire ou pour le succès, un peu, le succès mari, ou un mari, des enfants, tout ça. Alors, il y a un truc, et je dis tout le temps, quand on ne connaît pas tes sources de revenus, on t'attribue beaucoup de choses. Mm-hmm. Ça, c'est pas la première fois que ce genre de choses-là, ça se dit ou que ça sort. Mm-hmm. Si quelqu'un a les preuves de quelque chose, qu'il les sorte, je n'ai même pas de problème avec ça. Non, mais elle le dit devant toi. Parce que, oui, mais le dire devant moi, ça ne veut rien dire. Parce que, oui, ouais, absolument. Mais je veux dire, qu'on aille sur un plateau radio, vous donner une version pour parler de vêtements. Qu'on aille encore sur un autre plateau sur lequel je suis en train de découvrir des choses qui n'avaient jamais été dites avant, on est d'accord que je tombe des nues et je ne comprends pas en fait d'où ça sort. Okay. Donc je veux dire, ce n'est pas parce que la personne le dit en face que c'est forcément vrai. Okay. Voilà, ça c'est ce que la personne dit. Mm-hmm. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Donc voilà. Donc toi-même personnellement, tu n'es jamais allé chez les marabouts personnellement? Non, mais fallait passer un petit gars, chercher à prendre. Non. Moi, c'est On connaît les petites soeurs souvent. Non, c'est ce qu'on a. Quand c'est un peu chaud. Oui, mais bon, les pratiques chez les marabouts. Voilà. On y va. Chercher à attraper le gars. Pour pas, il va fuir. C'est ça. Non, j'ai pas besoin de faire ça. Pour moi, les choses naturelles sont toujours les meilleures. D'accord. Honnêtement, je veux dire, j'entends ça, j'entends, les gens parlent, mais moi, je m'attarde pas sur les rumeurs parce qu'elles sont pas fondées. Après, moi, je dis que le vrai problème, c'est que toutes les personnes qui se sont approchées véritablement de ma vie n'ont pas pu creuser dans ma vie. Parce qu'il y a une partie de moi que je garde tellement secrète. D'accord. On a tendance à se poser des questions, genre, mais comment même elle fait? Parce que moi, même le boulot que je fais en dehors de la musique, personne n'est... On parle, mais si vous remarquez, tous les plateaux télé posent des questions. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique? Je vais parler de ma boutique, je vais parler de la musique en griffe, mais personne ne sait. C'est pour dire que tu peux dormir avec moi, te lever avec moi. J'ai un jardin secret en fait que je garde. J'ai une chasse gardée que sur laquelle tu... Justement.
Donc, okay, quand les gens ne comprennent pas et qu'ils voient que, bah, tu as, je vais pas dire que j'ai un train de vie excessif. Hein, je dis, je trouve que tu as un train de vie, en fait, en tout cas normal, où franchement, il n'y a pas de problème. Tu vas ici, tu rentres. Ça va, là, tu te suffis. Justement, on se dit que forcément, c'est des choses mystiques. Et ça, c'est purement, les francophones font beaucoup ça. Voilà, parce que, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais Désir, il y a un truc qui me chiffonne. Bon, c'est vrai qu'il y a un pan de ta vie que tu gardes secret. Ça, c'est tout à ton honneur. Mais en même temps, quand José se lève pour affirmer des choses et qui plus est devant toi, d'où elle sort ces informations? Elle l'a inventé? C'est une menteuse? Ou finalement, on ne comprend plus rien? Alors, moi, franchement, j'ai dit, c'est ce que je suis en train de dire. Quand on te pose une question et que de cette question, en fait, sort un autre problème que j'entends, j'étais choquée sur le plateau. Moi, les gens qui me connaissent savent que j'ai pas ce tempérament calme là de rester là. Écoute, c'est juste parce que j'étais choquée, je me posais les questions de savoir d'où est-ce que ça sort. J'étais mais autant... moi, tu mens sur moi comme ça en direct, t'étais bafou en direct. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, on va pas par quatre chemins. Oui, mais. On va parler comme bon, si quelqu'un. Attends, en fait, le truc, c'est quoi? Désir, tu sais, voilà, aujourd'hui, on va parler. Parlons sincèrement. Moi, Serge Fallo, je suis sur un plateau, on me dit non que quelqu'un qui me regarde me dit, va chez les marabouts. Mais je lui montre qui est Jésus-Christ de Nazareth, ça, on discute même pas, parce que j'ai choisi mon camp. Et tu comprends? Donc, je dis que je suis en face de quelqu'un, puis il va me dire non, t'as pas chez les marabouts. Mais. Or, tout va se gâter sur le plateau en même temps. Pourquoi? Non. En fait, ce que je peux dire, c'est que les gens réagissent différemment devant certaines choses. Moi, je suis impulsive. Moi-même, je suis impulsive. Mais moi, en fait, à un certain degré de je ne comprends pas, j'ai juste envie de bondir sur toi. En fait, je ne sais pas si vous n'arrivez pas à comprendre. Il arrive un moment quand tu es vraiment choqué, quand quelque chose te surprend. Moi, personnellement, je ne peux plus parler. Tu perds les mots. Justement, je veux dire que ça me... Là, j'encaisse, je prends le temps de... Donc, c'est vrai que d'autres personnes disent, non, tu aurais pu te défendre. Mais je veux dire, quel que soit ce que tu vas dire, il y a des gens qui vont toujours penser ce qu'ils ont envie de penser. Et ça, tu ne peux pas aller dans les foyers de chacun pour dire, non, ne pense pas ça, ne pense pas ça, ne pense pas ça. Donc, si je comprends bien, José de la Tour ment quand elle dit que Daisy l'a entraîné chez un marabout. Ce n'est pas la vérité, en tout cas. Moi, je ne traite pas quelqu'un de menteuse. Enfin, je ne vais même pas rentrer dans ça. Mais ça, c'est sûr que... Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Bon, c'est que... Maintenant, concernant Daisy, c'est vrai que tu ne te fais pas voir assez. Je dirais même que tu es un peu effacée. Tu te mets des fois en retrait. Tu apparais, tu disparais, tu apparais, tu disparais. Mais il y a quelque chose qui nous fait un peu... bizarre, c'est que ton nom est plutôt dans les histoires de hommes mariés, Daisy briseuse de foyer. Je te mentirai pas, quand j'ai fait des recherches concernant l'émission et tout ça, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qui est ressorti, c'est que ah tiens, Daisy, c'est une briseuse de foyer. Bon, elle a eu une histoire avec un de mes amis. Elle a rasé la femme du monsieur. Elle a fait ci, elle a fait ça. Bon, je sais que tu sais de quelle histoire je veux parler. Voilà, l'histoire du monsieur, voilà, dernièrement, qui a fait bim sur la toile. Qu'en est-il exactement? Est-ce que tu... Déjà, quand tu sortais avec lui, tu savais qu'il était marié? Alors, je ne vais pas donner d'affirmation dessus. Il y a une raison à ça. Parce que même lors de la dernière interview, j'ai dit que je ne revenais plus sur le sujet. Le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont tellement plus profondes que ça. Mais aujourd'hui, quand on s'attaque à quelqu'un qui est public, on sait que son point faible, ce sont les réseaux. Du coup, les gens vont tout de suite là-bas. Mais... il y a beaucoup aussi de personnes qui ont dû remarquer que sur cette histoire-là, je ne me suis pas trop étalée. Parce que l'histoire était plus profonde que ça, en fait. Il y avait beaucoup de choses, même après des choses qui se sont passées. C'est allé un peu loin, c'est allé très, très, très loin. Franchement, il y a beaucoup de raisons qui font que je ne me suis pas étalée là-dessus. Voilà, mais puisque quelque chose va sur les réseaux et que tu es artiste, on se dit, voilà, c'est là-bas qu'il y a son point faible, donc on va taper sur toi, on va faire ce genre de choses. Mais pourquoi tu as laissé les gens te salir à ce point, si tu savais que dans cette histoire, tu avais quand même ta dignité? Parce que les gens t'ont fait passer pour celle qui a brisé. Qui a rasé. Moi, d'après ce qu'on m'a dit, je t'ai même amie à la femme du monsieur. Non, tu es passé. Par contre, non. Voilà, tu vois. Amis, tu as laissé les gens te salir. Non, entre les deux, il va falloir que les gens comprennent une chose. Entre le monsieur et la dame, mon ami, c'est le monsieur, c'est pas la dame. D'accord. C'est le monsieur qui m'a présenté sa femme à l'époque. Enfin, et c'est José de la Tour qui t'a présenté le monsieur? Non, mais de la Tour, on était... les gens n'ont pas compris. Hein. Allez, ah, c'est ce qui se dit. De la Tour et moi, cette période-là où on était proches, j'étais en couple, hein, j'étais en couple avec son ami, c'est...
j'étais en couple. Non, on va revenir tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Non, il ne faut pas faire ça. Attends, ça date. Mais Daisy, il ne faut pas faire avancer l'émission. Non, mais attends un peu. Non, je suis toujours pressée. On dirait que tu es même là. Attends, tu es là. Non, je situe en fait la période. Voilà. Donc, c'est à cette période-là que De La Tour et moi, on était en contact. Donc, et cette histoire de l'homme et sa femme, dont enfin, j'aurais brisé le foyer et tout, c'est récent. Oui, c'est, oui. Genre, il y a un an, j'étais exactement. Plus en contact avec De La Tour, ça faisait genre 3-4 ans. Ah, ok. Voilà, donc c'est une fausse information. Oui, je crois qu'elle s'est rapprochée de la dame quand elle a sorti sa chanson, selon ce qu'elle a dit. Mais c'est pas avant. Non. Est-ce que le rapprochement, c'est pas pour te faire mal, pour t'énerver? Ah, mais je vois pas. Donc, moi, franchement, il faut que les gens savent pas un truc. C'est très difficile de rentrer dans ma tête. Quand je dis rentrer dans ma tête, je vais pas me défendre. En fait, si je réagis, même si quelque chose, c'est que soit ça m'a saoulé. Mais pour dire que les choses rentrent dans ma tête, ça m'affecte, ça me ronge, ça, c'est pas moi, hein. C'est vraiment pas moi. Donc, il y a des sujets, quand je veux pas en parler, je veux pas en parler parce que il y a des choses que tu peux même pas dire. C'est ça qui est truc. Sinon, après, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais dans cette histoire-là, surtout, il y avait des choses. Et je n'en parle pas, mais il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent effectivement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me dire « On a été témoin de ça, si on veut parler. » Je dis « Non, ce n'est pas la peine. » Parce que ça va entacher des choses. Et moi, je n'ai pas envie en fait que ma mère ou mon père m'appelle pour dire « Ah, mais pourquoi tu es allé faire ça là ? On ne t'a pas conseillé sur ça. Pourquoi tu es allé faire ça ?» Je parle d'autres choses. Je ne parle même pas en fait de briser le foyer parce qu'il y a eu beaucoup de choses à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit « Je ne souhaiterais vraiment même pas revenir sur le sujet, encore même par respect. » Pour l'amitié que j'ai eue en fait avec ce monsieur. Parce qu'on a eu à faire des affaires ensemble, on a eu à faire des choses. Oui, effectivement. On disait que tu. Enfin, les propriétaires de bar, on disait que Daisy débarquait comme la boss, la patronne, la femme du boss, pour faire le point et tout ça. Non, j'ai jamais fait de point, ça, c'est pas vrai. Le truc, c'est que moi, je ne sors pas beaucoup. Je veux vraiment aller en boîte, je le fais pas. Mais si quelqu'un a un espace, là, tu me verras tous les jours. Ça, c'est comme ça. C'est juste que je sors. Dans un endroit à la fois. Donc, le fait que ce soit mon. Et à la période, je suis partie. Et tu es fréquente dans l'endroit, en fait. Je vais être fréquente. Ouais. C'est-à-dire que si je veux sortir, je vais emmener des amis. Je vais, c'est ma façon de soutenir. Et après, il y a aussi le fait qu'à cette période-là, ça ne décollait pas vraiment. En fait, c'est vrai que ça avait décollé avant, mais à cette période, moi, je suis arrivée. Les choses étaient un peu calmes. Donc, il y a eu un peu volonté, en fait, d'aider à faire, redémarrer les choses. Voilà. Sinon, aller faire les points, tout ça, non, c'est pas moi. Mais est-ce que tu sais que le monsieur et sa femme se sont remis ensemble? Oui, après toi? Bien sûr. Parce que lui, on se parle, en fait. Vous continuez de vous parler? Mais bien sûr. Sinon, on a dit que le monsieur ne voulait plus te sentir. On se parle, il n'y a pas de problème. Après, je veux dire, ce qu'il peut faire pour protéger son couple, il le fait et moi, je respecte. Mais je dis, est-ce qu'il essaie de revenir derrière des yeux? Non, je ne rentre pas dans ça. Il a revenir où ça? Non. Parce qu'apparemment, le monsieur fait croire aux gens que lui, il ne veut plus te sentir quand on prononce ton nom. Ah, ne me parlez plus jamais de Daisy, je ne veux plus la sentir. Voilà. Alors qu'en vérité, vous êtes toujours en contact. Quel genre de contact? On se parle quelquefois. Et puis, on a vous êtes dans un contact de corps à corps ou. Non, discorde, pas du tout. Ou des discords. La dernière fois qu'on s'est croisé, on s'est croisé à Paris. J'ai jamais dit que je faisais ça avec lui. C'est une question. J'ai répondu. La dernière fois qu'on s'est croisé à Paris. On s'est croisé à Paris une fois. Pas à Paris, même à où il y avait le match des éléphants. Ah bon? Oui. Dernièrement, là? Oui, il y avait le match où je suis allée avec Eunice. On est allé avec Eunice et au moment où on s'apprêtait, je ne sais pas si Eunice, elle allait voir les éléphants, le regroupement des éléphants pour pouvoir faire des vidéos, des trucs comme ça. Donc, on cherchait un endroit où manger et eux, ils étaient là puisque tous ceux qui sont venus en fait pour le match des éléphants, on était pratiquement dans les mêmes hôtels, collés. Tous les Ivoiriens étaient dans les hôtels. Voilà. Donc, je les croisais devant. Ok. Donc, s'il veut revenir dans ta vie aujourd'hui, Daisy, c'est moi ou bien? Non, l'amitié, je n'ai jamais eu de sentiments à part autre que amicaux. Voilà. Et ce qu'on a eu à développer ensemble, pour tout ce qui s'est passé, c'est sûr que ça, même en affaires et tout, ça peut pas fonctionner. Mais on a des amis en commun, on a des choses à discuter. Une fois en passant, mais ça n'a rien à voir en fait avec cette histoire de son couple et de son machin, de son Même le jour, je crois où il y avait l'anniversaire de sa femme, j'ai vu que les gens m'ont tagué quelque part. Et puis je suis venue et dit, mais monsieur, il dit, les gens sont allés me taguer à quoi? Il dit non, c'est son anniversaire. Il dit joyeux anniversaire. Daisy, dis-nous, tu as la nouvelle de Saga Junior?
Oui, j'ai des nouvelles de lui. On s'est parlé même hier. Vous êtes parlé hier. Oui, on se parle pratiquement. Mais est-ce que toi, tout comme Emma Doubré, tu regardes des sorties avec Saga Junior? Non, même pas. Moi, je ne peux pas regarder. Saga, c'est un type bien. C'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon gros bébé. Lui, là, c'est vraiment... il est plus âgé que moi de loin, mais je suis comme sa mère, en fait, parce que les conseils, des trucs... Même Saga, il y a même des choses... Donc, quand il avait des problèmes avec Emma, il t'appelait souvent pour te prendre conseil, toi? Donc, quand il avait des problèmes avec Emma, là, il venait prendre conseil chez toi? Il me parle pratiquement. Donc, au moment où il disait ses plaintes que quand on le traitait de gigolo, Emma ne le défendait pas, mais c'est toi, quand tu sortais avec lui, il était gigolo. Non, écoute, moi, le thème gigolo, là, c'est un peu... On va dire qu'au moment où on était ensemble, peut-être, on va dire financièrement, moi, j'étais plus assise. Voilà, mais la relation, en fait, n'est pas basée sur ça. Et puis, ce n'est pas parce que, en fait, t'en as plus que l'autre, que tu essaies de soutenir l'autre, que ça fait de l'autre un gigolo. C'est un bosseur. Moi, on avait monté un business dans le temps, où ce business a même arrivé à un moment, ça m'a saoulé parce que j'ai dit, mais toi, là, on ne peut plus te voir, parce que tu es tout le temps... Il est vraiment à fond. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui en veut à la vie. Il bosse, franchement. Donc, et puis, voilà, non. Mais, Chola, pourquoi tu as des études à quoi? Non, parce que bon... Tu as l'impression que l'amour est toujours là ou bien, c'est quoi? Oui, je vais demander à Daisy, est-ce qu'un jour tu pourrais te remettre en couple avec Saga? Non, on a essayé ça dans le temps, mais on a vu que... Vous avez essayé quoi? On a essayé de se remettre avant ensemble. Emma ou après Emma? Non, avant. Emma, c'est récent. Mais Saga, là, ça date de... Il y a longtemps. Ça date d'il y a... Voilà, il y a longtemps, voilà. Mais qu'est-ce qui t'a plu chez Saga? Parce que j'ai l'impression qu'il plaît aux filles du vraiment... Enfin, du chaise. Non, ça s'est fait facilement. Hein. Voilà. Je crois que... Et j'ai même eu à lui dire ça. Ce qui m'a plu chez Saga, c'est qu'il était dans le milieu comme sosie de Doug Saga. Mais quand on a eu à parler, la première fois qu'on a eu à parler, il m'a raconté, j'étais au village, voici comment ça s'est passé. C'est pas quelqu'un qui a essayé de s'inventer une vie. Okay. Ça m'a séduit parce que c'était un discours différent de ce que j'avais eu à entendre jusqu'à maintenant. Donc, okay. Son authenticité, le fait qu'il soit aussi transparent, et franchement, j'ai aimé ça. Et on s'entendait bien. Mais à un moment, Saga te reprochait beaucoup de choses. Lesquelles? On dit que tu l'as beaucoup trompé. Hey, c'est pas vrai. Avec l'un de ses amis. Non, c'est pas vrai. Alors, Pourquoi vous êtes séparés alors? On s'est séparés parce qu'à un moment, on se disputait trop. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à... On n'arrivait pas à s'entendre, c'était tempérament contre tempérament, tempérament contre tempérament. Et mais il paraît qu'il y a un de ses amis qui t'a pris en consolation. C'est ça? Non, ça n'a... Consoler. C'est de ça qu'il s'agit. Le consolateur. Non, ce n'est pas une histoire de consolation. En fait, c'est... Il fallait dire ce que tu sais, on va vous dire. Dès qu'il y a trop à l'aise dans le papa, j'aime mais pas non, ça. Mais non, ça n'a rien à voir. Tu sais, en fait, je veux dire, il y a des choses, par exemple, tant que tu ne les expérimentes pas, pardon, de loin, tu te dis non, mais comment. Mais la personne dont tu veux parler, c'est après. C'est-à-dire que là, la personne dont tu es en train de parler, c'est une histoire de 2016, 2017. 5 ans après. Mais 2016. Si je te dis que je parle encore avec Saga, même qui m'avait boudé parce qu'il n'avait pas compris, c'est pour te dire qu'on est passé sur ça. D'accord. Donc, ce n'est pas une histoire de quelqu'un t'a pris en consolation. C'est juste que. Tu as été avec deux personnes qui se connaissent. Mais qui est l'ami de Saga en question? Non, je ne veux pas. Francky DiCaprio? Non. Et non, Francky n'a jamais rien. On va pas, même si je connais le nom, on va pas. Il faut justifier ton salaire, mais c'est pas parce que pas ton comportement. Francky n'a jamais rien eu. Non. Bon, on va laisser un peu Saga tranquille. Quand tu as appris qu'il sortait avec Emma Doubré, ça t'a fait mal? Tu t'es sentie jalouse ou pas? Non, mais on n'était plus ensemble il y avait longtemps. Et quand ils se sont séparés, tu étais contente? Non, mais pourquoi? Mais contente pourquoi? Attends, en fait, je vais vous expliquer un truc qui est clair. C'est-à-dire que les liens que Saga et moi, on a, c'était du genre... il disait même aux gens, même quand j'avais quelqu'un, il dit, oh, celle-là, si je veux la récupérer, là, je vais là. Donc, il n'y a pas de jalousie. On a une relation qui est un peu, qui est trop bizarre. Bon sens, ouais. Et moi aussi, c'était pareil. Genre, mon chien n'a qu'à se promener. Si je veux le récupérer, mais on le disait comme ça. On a reçu Emma ici, là. Toi, tu l'as reçu en même temps là-bas. Hein. Est-ce que... Non, je n'avais pas vu. Hein, si. Nous, on a reçu Emma ici. Deux jours après,
Toi, tu as réussi Saga dans ton émission. Non, mais c'était pas. J'ai pas su. Non, mais ils ont fait exprès pour attaquer Emma Debré. Non, pas du tout. Mais Emma, enfin, j'ai pas dit qu'on se parle tout le temps, mais on se parlait. Hein. Ouais. Quand elle avait fait son émission, elle m'a appelé, voilà, je suis allée. Et quand il y avait aussi. Je suis partie au bar là-bas qu'ils avaient. Une, deux fois, on se parlait vite. Même quand moi j'ai ouvert mon lounge, Emma est venue. Elle est venue avec des gens, donc j'ai pas eu d'animosité. Ouais, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Mais voilà, peut-être que d'une manière. Après, c'est dans les cœurs, ça peut se serrer vers là-bas. Là-bas, les cœurs. Non, mais je ne suis pas trop le genre d'ex qu'on a envie d'avoir aussi. On va dire. Parce que tu es chiant. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire que quand tu as une connexion forte comme ça avec quelqu'un, et les personnes avec qui j'ai été, et quand la personne va quelque part d'autre, je représente une figure un peu dérangeante. Mais il paraît que Daisy, c'est le genre de copine ou de petite amie qui, quand même, a gros cœur. C'est-à-dire, Daisy, laisse pas couler. On dit quand Daisy est un homme, elle aime s'imposer, elle veut dominer. Qu'en est-il exactement? Non, j'ai un caractère qui est trempé. Ça, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de moi. Je ne suis pas. Le saga dont vous parlez, là. Je veux dire que je sais rester à ma place. Franchement, je sais rester à ma place, quel que soit Alpha. Mais c'est pas parce que je suis à ma place, que tout passe. Si je suis pas d'accord avec quelque chose, je suis pas d'accord. C'est loin de vouloir dominer, mais c'est juste que je suis carré sur certaines choses. Quand ça ne va pas, je dis. Quand je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai l'impression que Saga, la légende même, il aime ce genre de femme. Parce que quand tu regardes Daisy, tu regardes Emma Dobré, voilà, c'est des femmes au tempérament fort. Voilà. C'est pour ça qu'on finit par le laisser. Je comprends. Non, c'est pour raison. Alors, Daisy, il y a une chose que moi j'apprécie chez toi. Fais-moi un acapella. Ok. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Yeah, payé. Famille, oh, aguio, mon cœur est gâté. Les gens sont de deux, mais moi toujours je suis seule. Relation on fait jusqu'à ça dure des mois là. Moi quand je commence aujourd'hui, demain on me bras. Je mets tout mon cœur, je mets mon âme. Je sors avec quelqu'un qui sort pas avec moi. Je vous en prie, où est l'amour de ma vie? Je suis dans mon sérieux que On peut disparaître, c'est peine comme ça, chien. Hey, les paroles, en fait, tu sais pourquoi je lui ai dit ça tout à l'heure? Il dit, Daisy, fais-moi la capella. Parce que les paroles de sa chanson, là, le jour où elle a lancé ça sur le net, je me suis assis et puis j'ai dit, je comprends pourquoi je n'ai jamais douté du talent de cette fille. Parce que c'est la prestation que j'ai pour elle depuis 2010. La première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai dit, toi. Elle a du talent, ça c'est clair, Inès. Mais Daisy, est-ce que tu n'es pas seule parce que tu as l'habitude de sortir mari des gens? Ah, bon, c'est ça. Même si tu décides de quitter les maris des gens, de laisser les maris des gens, finalement Dieu t'en donnera celui que lui fait, il a prévu. Tu es mari de quelqu'un des gens, mari. Tu es une belle fille, moi je pense que tu n'as pas de difficulté à te trouver un beau célibataire riche. Vous êtes vraiment grave. Alors, je n'ai pas donné d'affirmation sur ça et le mari des gens ne m'intéresse pas. Mais je ne suis pas. Non, mais c'est pas plus. Attends, Chola, ok, on va rentrer un peu dans le fa-fa. D'accord. Si, je dis. Que si. Non, attends, je t'interromps pas. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que les gens disent que tu aimes bien sortir avec les hommes mariés. Ça, j'ai entendu. Mais je dis et je répète. Si je suis avec un homme marié, une chose est sûre, il ne retourne pas à sa femme. Donc, je ne suis pas célibataire. Attrapez vos maris. Je ne suis pas célibataire parce que j'aime le mari des gens. Parce que si c'était le cas, je serais mariée depuis. Ça veut dire que j'allais prendre pour quelqu'un et puis il allait me marier. Le pain d'autrui. Voilà. Donc, si je suis célibataire, c'est justement parce que je n'ai pas forcément envie de venir détruire des foyers, de venir, voilà. Et sinon, c'est ça. Donc, quand on est en train de dire, c'est parce qu'elle soit avec le mari des gens, bien machin, je regarde, j'observe. Sinon, en temps normal, si il veut m'asseoir, c'est ton affaire, tu ne sors pas de là. Voilà, bon. Ça je Daisy dis, c'est pas prétentieux. Attrapez vos maris. Non, les maris des gens ne m'intéressent pas. Gardez vos maris. On dit qu'en ce moment, tu as créé un nouveau syndicat. Tout le monde parle de ton syndicat, là. C'est vous. Ton syndicat, là. Il y a des paroles qui sortent là-bas. Hein. Que si tu ne peux pas t'occuper de ton enfant, il ne faut pas aller te placer.
Parce que c'est deux personnes qui font enfant. C'est ça. Je dis ça parce que aujourd'hui. C'est hyper dérangé. Je dis ça parce que aujourd'hui, on a tendance à dire, il faut que il faut sortir avec quelqu'un qui a de l'argent. Aujourd'hui, non, j'ai fait un enfant avec lui, il doit s'occuper de mon enfant. Non, j'ai galéré avec lui, aujourd'hui, il ne me reconnaît pas. Si tu as galéré avec quelqu'un qui aujourd'hui s'en sort, ça veut dire qu'en toi, tu as la graine de faire fleurir quelque chose. Et cette chose que tu fais pour la personne en face, tu peux la faire pour toi. C'est important que les femmes, en fait, qu'on commence à se définir elles-mêmes, par elles-mêmes, que de dire je me définis par rapport à l'homme avec qui je veux aller. Parce que moi, tu me vois là, je suis une grosse sentimentale. Je suis une grosse sentimentale. L'amour, pour moi, c'est quelque chose de... Moi, je donnerais tout pour l'amour. Franchement, je suis une grosse sentimentale. Autant vous voyez mon caractère comme ça, autant quand je suis amoureuse, je redeviens un bébé. On dit quand tu es amoureuse, tu donnes tout. Hein. Voilà. Franchement, si la personne avec qui je suis n'a pas les moyens que je peux l'aider, je vais donner. Ça seulement là. Il ne faut pas faire tous les gigolos d'Abidjan, vont te poursuivre. Hein. Allez là. Hey. Mais je veux dire, il ne faut pas faire les gigolos d'Abidjan, vont te chercher ici. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas portée sur l'argent que je suis portée sur n'importe qui de pauvre. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de moyens financiers, mais qui en ont dans la tête et qui savent apporter un certain équilibre. En fait, même s'ils n'ont pas les moyens financiers, mais ils ont la hargne, ils ont la rage de pouvoir s'en sortir. Ils ont la rage, justement. Voilà. Donc, quand tu les vois, ça te donne envie de les pousser un peu quand même. Justement, et c'est des personnes, je l'ai entraîné dans cette période-là. Je l'ai lui-même, entraîné. Ah, ok. J'ai donné un coup de pouce parce que au moment où on s'est croisé, moi j'étais plus posée que lui. Mais c'est pas ça, c'est pas le mec, il n'a pas été avec moi, Jean, pour dire que non, parce que non, c'était une vraie relation. Ça n'a jamais été basé sur. Mais Saga, apparemment, toutes ces femmes sont plus posées que lui au contraire. Je sais pas où il se positionne lui-même, Saga. Mais non, en fait, avoir. Bah, te dis là-bas. Quelqu'un peut avoir plus. Que la personne ait plus, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a rien. Saga, c'est un gars qui a la rage, en fait. Et tu sais, il y a quelqu'un peut ne pas avoir les moyens financiers, mais toi-même, en fait, dans ton business, la personne peut te donner des conseils parce que la personne a une certaine intelligence et tout. Bien sûr. Je dis, si tu n'as pas les moyens de t'occuper de ton enfant, ne va pas faire enfant. Tu n'es pas obligé de gré. Tu n'es pas obligé. Ça là aussi, là, on dit que ceux qui font ça, c'est les grands. C'est ceux qui peuvent assumer. Parce que tu vois, il y a des femmes qui vont coller un enfant. Elles vont coller un enfant à un gars. Et puis non, il ne s'occupe pas de son enfant. Non. L'enfant est sorti de toi. C'est toi qui l'as porté. Donc, avant même que ce soit lui son enfant, c'est ton enfant d'abord. Donc, moi, je suis vraiment... sinon, les histoires de... Est-ce que si tu as ta voiture pour te déplacer, on peut te proposer transport 2000, tu as tes plaintes, tu vois, ça ne te concerne pas. Voilà, mais non, il doit payer mon transport, il m'en va payer mon transport, il va payer à manger, enfin. Tu deviens un poulet. C'est bien sûr. On doit manger. On doit manger. C'est de ça qu'il s'agit. Ah non, autant tu dois manger, autant toi tu as le choix. Parce que tu travailles, tu as tes activités. Donc quelqu'un qui vient, il est un plus pour toi, mais il n'est pas. Je dis, tu as le choix de dire oui comme de dire non. Mais là, tu dis que tu as la recherche de l'amour. Que tu es prêt même à payer le gars qui est prêt à donner cet amour-là. C'est quoi? C'est le désespoir? Qu'est-ce qui se passe? Tu es désespéré ou bien c'est quoi? Alors, il faut dire que tu es une belle fille, tu es magnifique. Qu'est-ce qui fait que Désir... Tu n'as pas dit qu'on ne te drague pas? Que tu n'as pas les vrais, les jolis garçons? Est-ce que déjà, Désir, tu es en couple ou tu es célibataire? Non, je suis célibataire. Tu es célibataire. Et qu'est-ce qui constitue le problème au niveau de Désir? Désir est belle. Désir est stylée. Désir a du talent. Désir a une bonne a des activités. Elle s'en sort bien financièrement. Mais qu'est-ce qui fait que Désir n'arrive pas à avoir un homme? Alors, c'est pas que je n'arrive pas à avoir un homme. Ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est pas que j'arrive pas à avoir un homme. Par exemple, ma dernière relation, j'ai même eu à parler de ça rapidement. Elle s'est arrêtée pour un problème de religion. Il y a des problèmes, en fait, qui sont très difficiles à gérer, par exemple. Voilà. Et c'est quelqu'un... On avait des projets, genre, on avait des projets de se marier et tout, mais le problème de religion était trop récurrent. Et moi... Il est musulman? Oui. Enfin, je veux dire, c'était du côté de sa mère qu'il était musulman. Et c'était très compliqué. C'était genre, Désir, tu décides de rentrer dans ça et tu vas te battre éternellement avec une famille qui va te rejeter,
ou bien tu te ressaisis et puis tu te dis non, je peux pas lutter. Donc c'est un peu ça. Et puis il y a un autre côté. Quand je dis que je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois payer, je ne suis pas en train de dire venez, je vais vous donner un salaire. L'amour ne s'achète pas. Mais ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que quand je dis quelqu'un qui va m'aimer, quelqu'un pour t'aimer, en fait, c'est, ça va au-delà de venir sortir avec toi, câlin, machin. Je suis une personne qui travaille beaucoup. Quand je dis travaille beaucoup, moi, j'ai rarement de vie sociale ou de temps. Ou de temps. Et ce n'est pas tous les hommes, en fait, qui peuvent accepter la position. De la manière dont mon père m'a dit, ton premier travail, c'est ton mari, là. C'est comme ça, moi, il est pris pour charger. Donc, pour moi, là, rien ne passe avant mon travail. C'est ça aussi le truc. Donc, faut comprendre que ce n'est pas tous les hommes qui peuvent accepter la position. Donc, c'est généralement, même quand j'ai des relations, généralement, j'aime qu'on développe ensemble un business. Parce que le business, le mot, voilà. Pour qu'on puisse être proche, pour qu'on puisse développer des choses ensemble. Donc, vraiment, je n'ai personne. Mais je suis aussi sélective. Mais en même temps, Désir, ta chanson là, où tu dis que tu cherches un homme qui va t'aimer, c'est pas un appel d'offre que tu aurais lancé comme ça? Oui, mais en même temps aussi, là, c'est casting. Toi-même, tu dis c'est casting. C'est casting parce que si aussi il n'est pas dit qu'il y a personne, est-ce qu'ils vont savoir que j'ai personne? Ils vont se dire qu'il y a quelqu'un, attends, il n'y a personne. Mais tu n'as pas le sentiment des fois que les gens ont peur de toi? J'ai ce sentiment là, mais franchement, je ne sais pas. Je pense que ça se fait naturellement. Les gens, effectivement, ont peur de m'approcher ou bien ils se disent que ah non, mais la fille, quand on la voit, elle doit être gonflée, elle doit être hautaine, elle a un caractère, un sale caractère ou quoi que ce soit, machin. Mais les gens qui arrivent à traverser ce mur-là découvrent quand même qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Voilà, moi, je veux pas être quelqu'un qui est trop accessible. Est-ce que c'est pas une barrière de protection que tu as mis en place? C'est absolument une barrière de protection parce que je veux pas devenir une poubelle, en fait, ramasser toutes les ordures sur les déchets. Voilà, justement. Clair. D'accord. Donc, en tout cas, les pointeurs ont commencé à venir beaucoup. Ah, les pointeurs sont là. Donc, je vous informe que Désir est célibataire. Elle cherche un homme qui va l'aimer. Mais en même temps, Désir est sélective. Voilà. Donc, ne pensez pas que vous avez venu et puis vous êtes trop pauvre. Le pied va accepter. Hein? Adama, on vous a prévenu. Bon, continuez. Bientôt, c'est l'album, c'est le single. Et le titre. Avant de parler d'album, on n'a pas fini la vie privée de Désir. Non, parce que je veux comprendre, Désir. Pourquoi tu aimes les gens de ton milieu? Parce que quand je regarde l'homme marié, là, propriétaire de boîte de nuit, bon, on suppose qu'il est dans le showbiz. Il a un pied dedans quand même. Ouais, on le connaît. Showbiz, ouais, Saga, la légende. Qui est sosie de Doug Saga, qui lui aussi est dans le milieu des carrés. Pourquoi tu ne cherches pas à l'extérieur, hors de ce milieu? Pourquoi tu restes peut-être sur les zoulous un peu. Bon, déjà, on va enlever ton homme marié là-dedans. Non, c'est pas ça, mais ça ne fait pas partie des gens. Enfin, du milieu. Pas des gens du milieu, mais c'est pas quelqu'un. Quand tu dis Saga, c'est mon homme. Enfin, ça a été mon homme. Et voilà, donc lui, c'est pas du Saga, c'est mon homme. Saga, c'est mon bébé. Hey, attention, c'est mon chéri Goku. On est ensemble, juste en décembre. Non, je dis, lui, on ne le met pas dedans sur la liste des personnes. Mais avant, là, honnêtement, j'étais attirée par les bad boys. C'est-à-dire qu'avant, il y avait... Ou bien soit tu as les dreads. Les gars, un peu dégamés façon... Mais attends, Choula, je vais te donner un secret. Il va te donner un scoop. Je te donne un scoop. Attention, Saga... Moi, avant, au-delà même d'être attirée par les gens qui avaient les druides, bad boy et tout, moi, j'aime garçon qui a gros... J'aimais garçon qui a gros queue. Moi, j'aime les hommes qui sont hommes. Hein. J'aime les hommes, en bien fait... Bien viril, là. Au-delà même de la virilité... Au-delà de la virilité, là. Quelqu'un qui peut te dire que, hey, faut pas faire ça. En fait, moi, j'aimais les gens qui étaient... Genre, garçon de chez garçon. Et puis, c'est vrai que là, il avait gros queue. Donc, moi-même, en fait... Histoire même de Emma, comment c'est ton garçon dont tu parles là, parce que, c'est quel garçon? J'ai l'impression qu'elles aiment les hommes, c'est-à-dire, il n'y a pas que. C'est pas seulement le gars qui va te dire non, je n'aime pas ça, tu as fait ça, ça ne me plaît pas. Non, c'est que au lit aussi, non, il ça, sait te non, prendre d'une manière. Ça, je n'ai jamais caché. Fougueux. Moi, je ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un qui ne m'a pas bien fait. Il ne peut pas. L'amour ne peut jamais venir. C'est-à-dire que si je suis amoureuse de toi, on n'est pas encore passé à l'acte. Je suis amoureuse jusqu'à... Le jour qu'on passe que c'est Glizio, là, mon amour est déposé là. Mon amour est déposé là. Attends, là, tu décharges. Si tu dis, il ne peut pas.
Non, moi j'aime les j'aime que ce soit créatif et que ça sorte, que ça franchement que ce soit tout, que ce soit sale, que ce soit, je n'ai rien à foutre, mais que ça reste, ça quitte en fait dans ce qui est commun. Je n'aime pas les choses communes. Tu n'aimes pas le commun du modèle, non. Je n'aime pas les trucs des petits ados là. Je n'aime pas. Moi là, j'aime explorer. Je suis très. Vous n'avez même pas idée. Même. Explorer. Donc oui, j'adore l'exploratrice. L'exploratrice. On a une tata sur la chaîne ici qui s'appelle la seule Laure qui adore ce genre de sujet. Elle non, pour moi le sexe c'est le sexe. Pour moi, le sexe, c'est le sexe. Moi, j'ai pas de tabou. J'ai pas de tabou, genre, non, il y a des choses, non. Enfin, moi voilà. Donc, moi. Je te le présente après. Pas. Voilà, moi, j'ai pas de tabou. Moi, je suis très. Je suis, mon esprit est très ouvert concernant. Donc, attends, moi, il faut que tu répondes à Badass. Même si tu es fandinga fatigué, arrivez au moment de passer à l'acte. Si c'est pas glissant, tu le déposes. Il dépose. L'amour finit. En fait, c'est même pas ma faute. Oui, l'amour finit. Ah, c'est un peu fini comme ça. Je dis, l'amour l'a fini même. Pourquoi tu regardes des gars comme Makoso, comme ça, qui est surexcité, tu penses que lui et Désir, ça peut fonctionner aussi? Non, c'est pas quelqu'un que je regarde avec ce genre d'yeux là. Bah, il lui dit qu'il a la position de la grenouille. Hein. Tu connais, il a dit ça ici. Il te prête des boîtes. Hein. Mais non, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de brutalité, de position de. Généralement, les gens qui parlent comme ça là, quand tu arrives là-bas, c'est compliqué. Moi, il y a beaucoup de gens. Voilà. 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 Il y a des gens qui vont te dire que non. Le général, on dit que tu parles trop. Je ne vais pas parler de lui, je ne connais pas. Balle perdue là-bas, ok. Voilà. Moi, par exemple, les gens qui m'ont dragué, qui ont dit non, et puis je les voyais en train de parler, de débattre des machins, de trucs. Bon, c'est des gens avec un moment qui disent bon, que maman, je suis fatiguée. Enfin, c'est. Ah, en fait, je dis les gens, quand ils te voient, mais toi là, le jeu, je t'attrape. Voilà, mais c'est que je vais te montrer, et puis vers la fin, il dit non, faut jouer ça, c'est les vies. Mais pourquoi? Comment? Attends, est-ce que ce show-là, tu te sens pas un peu concerné de la fin? J'ai l'impression que ce que tu as été dit là, c'est que toi-même, tu vis ça même d'une manière. Est-ce que c'est pas toi-même qui t'es invité dans le débat? J'ai dit quoi? Elle a résilé. Non, honnêtement, en tout cas, si vous me voyez amoureuse de quelqu'un jusqu'à on sait que la personne là, en tout cas, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Mon ex, ça lui fait mal. Son ex, ça lui fait mal. Quel ex? Affaire des religions, ça s'est gâté la tchèche. Ah, il te faisait bien. Dit, mais Désir, convertis-toi et puis vas-y, fonce. Non. Ça t'arrange pas. Parce que tu sais, en fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. Moi, je dis, je n'aime pas diviser les gens. De règles de base même. Parce qu'une femme avec un homme là, elle a plus de pouvoir sur cet homme là que sa mère. C'est-à-dire que le gars là, moi il pouvait faire, il allait oublier sa famille. En fait, je dis que la façon dont j'allais le prendre, il y a des gens qui se séparent de leur famille à cause de leur femme. Bien sûr. Tu comprends, non? Et ce choix là, je ne voulais même pas qu'on en arrive là. Voilà, moi je pourrais pas renier ma religion. Je ne demanderai pas à quelqu'un d'en faire autant, mais je n'accepterai pas d'être la base ou la cause de la rupture entre une mère et son enfant. Donc voilà, c'est vrai que. Ok, je comprends. Donc, tu as beaucoup de regrets par rapport à ça et tout ça. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui, on est en contact. Vous en parlez souvent? Oui, on en parle. On en parle parce que pour lui aussi, j'étais une sorte de conseillère par moment, parce qu'il vivait pas ici, donc il est rentré il y a pas très longtemps. Donc j'étais un peu ses repères ici, mais j'ai décidé quand même de diminuer la fréquence en fait de nos conversations pour qu'il puisse passer à autre chose, rencontrer quelqu'un d'autre. Mais dis donc, toi tu es en contact avec tous tes ex, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un ex qui a fait parler de vous, posez même plus. Non, il n'y a pas. Parce que en fait, toutes les personnes dans la vie desquelles je suis passée, j'ai marqué le coup. Donc, il y a des gens, même quand tu te sépares de ces personnes, même quel que soit, même s'il y a eu des palabres, après, la personne se dit, ah, pour ce que la personne a été, je préfère quand même qu'on reste en contact. Voilà. Ok, je comprends. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que Désir sort un nouveau. C'est un nouveau maxi single ou non, c'est un album? Non, c'est un single pour l'instant. C'est un single. On va aller pas à pas parce que actuellement j'ai un peu de temps pour me consacrer à la musique. Donc, je vais essayer de faire ça, d'être présente sur la scène et puis... Le clip. Ah, le clip va sortir bientôt, dans moins de 2 semaines. J'espère que tu vas pas aller faire clip et Mike a bien un petit caleçon encore pour venir énerver le peuple. Non, il faut qu'on te le dise, Désir. Mais toi aussi, tu es là, Désir. Mais est-ce que tu as invité José Latou comme l'autre clip, un peu prémonitoire ou... bon, la scène, c'est dans la piscine, là, parce que oui, c'était prémonitoire, mais... ça. Hein? Oui, ça annonçait les couleurs de l'amitié qui allait se terminer. Non, je vais pas l'inviter, pas parce qu'il y a un problème, mais parce que chaque projet est différent. Moi-même, j'ai jamais pris la même personne pour faire deux projets en même temps, à part les danseurs et les danseuses. Donc, non.
Moi, il n'y a pas voté Petit Caleçon, c'est bon, j'ai fait un clip correct. Il n'y a pas de souci. Alors, quelles sont tes relations aujourd'hui avec Yves Doro? Quand on sait que dans le temps, tu l'as énormément clashé. Mm-hmm. Hein? Aujourd'hui, on voit Daisy dans l'émission d'Yves Doro. Mm-hmm. On est tenté de croire que la hache de guerre était enterrée. Mais quand on sort de ce contexte-là, on se dit, est-ce que, véritablement, il y a eu réconciliation? D'accord. Déjà, à la base, Yves, on ne se fréquentait pas. C'est pas quelqu'un que j'ai eu même à côtoyer d'une façon ou d'une autre, jamais. Donc il y a un malentendu, on a chacun envoyé ses pics, des machins, mais j'ai toujours dit en fait que je n'avais pas dans le cœur de l'animosité pour elle. Mais c'est juste que en fait, moi je vais vous faire une petite image. C'est-à-dire que si on me dit tout de suite de tuer Magouya, je vais venir avec Kalachnikov. C'est que moi, je ne sais pas faire les choses doucement. Donc, quand je fais, ça marque toujours en fait les esprits. Donc, les gens se sont dit, mais j'ai dit à plusieurs reprises que je n'ai pas de problème personnel avec elle. Okay. La raison pour laquelle, quand on m'a invité sur le plateau, je me dis, bon, on essaie de régler ça. Et une bonne fois pour toutes, on passe à autre chose. Donc, en dehors de ça, ce n'est pas comme si on se parlait, on arrêtait de se parler, puis on va recommencer à se parler. On ne s'est jamais fréquenté, donc ça en reste comme ça. Mais aujourd'hui, on sait qu'entre elle et moi, on ça est passé sur ça. Ok, voilà. D'accord. Mais ça ne va jamais coller ou ça peut coller un jour? Non, question de coller, voilà, je dis, il n'y a pas d'animosité, donc si projet il y a, si rencontre il y a, il n'y a pas de problème. Nous, ça nous fait plaisir. Franchement, moi, j'aime beaucoup la nouvelle chanson et je te souhaite tout le succès, Est-ce que Daisy et José pourraient se réconcilier un jour? Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, la réconciliation, c'est genre de pardonner. De se pardonner. Et moi, je suis le genre, une fois que ça sort, quand il a fini de cracher mon véné, il n'y a rien qui reste dans le cœur. Tu vois? Donc, le pardon, en fait, c'est chacun à son niveau. Mais dire que reprendre l'amitié, ça, c'est faux. Ça, moi, je ne retourne pas mon vomi. Jamais. Mais tu ne trouves pas que dans l'émission Divi de l'eau, tu as été quand même un peu dure envers José de la Tour en disant qu'elle avait faim et tout ça? Alors, la faim. Est-ce que réellement, elle avait faim? Elle n'avait rien? Alors, je vais m'expliquer. Avoir été dur, c'est les émotions des uns et des autres. Moi, quand quelqu'un que j'ai estimé me l'a fait à l'envers, c'est comme je dis là, la façon il est chargé là. Tu vas avoir l'impression que... En fait, ça c'est des choses qui me touchent particulièrement. Tu comprends un peu. Donc, quand je dis avoir faim, peut-être que le mot était trop fort. Tu comprends? Mais je vais dire que la période dans laquelle on s'est connus, c'était pas ça. C'est tout, tu comprends. Mais devant ce qui avait été dit déjà, quand on me dit que, par exemple, j'ai marmaillé pendant que quelqu'un était dans le besoin, en fait, c'est deux choses. C'est même pas la marmaille seule. C'est la marmaille quand la personne était à terre. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu sois mauvaise pour venir enfoncer quelqu'un qui est déjà à terre. Donc ça, franchement, cette image, je ne voulais pas en fait l'avoir parce que je pense que dans le milieu du showbiz, autant on va venir dire, OK, celle-là, c'est une briseuse de foyer, autant... a fait des bons cœurs là. Je le revendique, mais tout le monde dit. C'est même pas moi qui le dis. Les gens que j'ai aidés sont là. Donc je refuse qu'on vienne me faire porter en fait le chapeau. Maintenant, après que mes mots aient été durs, c'était à la hauteur en fait de ce que j'ai ressenti. Mais s'il fallait peut-être revenir, il y a des choses que j'aurais dites différemment et tout ça. Et ça, pour ça, c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment manqué de sagesse. Voilà. Après tout ça, c'est vrai, tout ça c'est fait. Mais ça n'a pas réglé le problème. Oui, mais est-ce que tu as déjà vu Palabre des femmes? Palabre des femmes, là, c'est toujours quand on enlève perruque, on enlève tuque, qu'on se tape, quand on dit des petites filles. C'est vilain, mais c'est vilain, c'est déjà versé. Mais est-ce que je veux savoir, José et toi, vous êtes très, très proches, hein? Vous êtes potes, vous êtes amis et tout ça? Laquelle? José, Priscille. Oui, Priscille, on a fait l'école ensemble même. On est allé à l'école ensemble et tout. Au début même de sa carrière, il y a des gens qui... Les gens même m'appelaient croyant que pour pouvoir la voir pour les spectacles, des trucs comme ça. Voilà. Maintenant, quand sa carrière a commencé à décoller, moi aussi, j'étais en train de faire autre chose. Il y a eu des moments, par exemple, où je suis partie faire opérer ma fille en France où j'ai fait 4, 5, 6 mois. Elle, ça a décollé pour elle. Donc, tu peux pas... Moi je ne suis pas le genre d'ami où tu te dis non... mais pourquoi on ne se voit plus comme avant? Pourquoi tu ne viens plus me voir comme avant? Quand quelqu'un est en train de décoller, laisse la personne éclore. Laisse la personne exploser. Voilà. Mais c'est quelqu'un avec qui je parle. C'est-à-dire qu'on ne va pas se parler tous les jours, par exemple. Mais cette amitié-là, elle ne s'est pas gâtée. Ou bien il y a eu problème, il n'y a rien eu. Quoi. Mais c'est juste... J'ai l'impression que José et toi, vous aimez bien les maris des gens. Parce que bon,
Daisy a la réputation d'être une briseuse de foyer. Bon, on connaît aussi l'histoire de José avec l'ex-capitaine des éléphants. Bon, est-ce qu'elle t'a donné des conseils par rapport à son histoire? Toi, tu dois donner des conseils. Ce que je vais dire, c'est un peu méchant quand même, mais que Dieu me pardonne. C'est ce qu'il était dit là. Tu as vu comment elle a fait là, non? S'il avait pris pour quelqu'un, c'est ça, il allait faire. Tu allais venir t'asseoir. Je pense que si tu avais fait ça là, ça n'allait pas arriver où ça arrive. Non, il veut dire que. Non, il veut dire que. Le sentiment aussi, c'est pas bon. Non, il veut dire. Ah, non, c'est ce qu'il est en train de dire. Il veut dire que voilà. D'un côté, on dit aux gens, non, pourquoi tu prends le mari de quelqu'un et puis tu le gardes? D'un autre côté, on dit que tu as brisé, mais le gars est resté là-bas, on veut se moquer de toi. En fait, je veux dire que les femmes même là, on a une hypocrisie en fait qui est flagrante. Mmh. Une femme aujourd'hui, elle est avec son frère. Elle connaît toutes les go de son frère. Mais le jour, elle avec son gars, que sa belle-sœur fait la même chose, elle trouve que sa belle-sœur est mauvaise. Mmh. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, non, je veux dire que, voilà. Donc, je dis que c'est des choses comme ça. Donc, on dit non, tu aimes bien le mari de. Non, moi, je n'aime pas les maris des gens. C'est mais s'il dit, si dit que mari des gens ne me drague pas, c'est faux. Ah. Mais je suis en train de dire que je suis une femme qui peut tenir un foyer sur tous les angles. Et je le dis. Donc, je veux dire que normalement, même là, c'est normal même qu'on me voit comme un danger. Mais ça, là, non, c'est normal. Parce que, en fait, je suis une femme qui ne compte pas sur quelqu'un, qui est instruite. Je suis une femme qui sait cuisiner. Demande à tout. Aïe, je cuisine. Viens manger. Ça là, il y a le dit les gens. On doit aller manger. Hein. Il va vous appeler. Il va. Oui. Il faut que Saga soit là. Lui-même là, on se voit souvent là-bas à la maison jusqu'à 4 heures du matin. On pose. Jusqu'à 4 heures du matin, l'heure du crime. Ça va dire soit salut, depuis ta position. Poisson, la même qu'il achète poisson chez lui. Là, quand il achète, ah, les poissons légendaires. Voilà, quand il achète les poissons, là, moi, mais il fait soupe et puis on mange. Voilà. Voilà. Donc, je veux dire que c'est normal. Une femme célibataire, elle fait toujours peur aux gens en disant que non, elle peut raser. Parce que oui, vos maris nous draguent. Vos maris, là, ils nous draguent. Mais c'est parce qu'on n'est pas marié que tu donnes comme je ça. Je donne, oui. Parce que donc, je ne suis pas ta caméra là-bas. Tu ne pas le femme marié. Tu parles aux femmes mariées. Ok. C'est Fafa là. Chère femme mariée. Oui. Bonjour. Une femme mariée a une priorité, c'est de prendre soin de son foyer et de son mari et de ses enfants s'il y a. Arrêtez de perdre de l'énergie sur des personnes qui sont en dehors. Parce que ces personnes qui sont en dehors là, souvent c'est elles qui préservent votre foyer, c'est pour ça que vous êtes encore dans ce foyer là. Non, mais oui, mais je veux dire que c'est parce qu'elle refuse les avances derrière que souvent même vous êtes toujours à votre position. Sinon les choses on entend vos maris là quand ils viennent nous draguer, ils vous braisent. Fatigué, ça quand ils viennent nous draguer là, ils vous brisent. C'est pour ça qu'on vous respecte. Voilà. Pas. Mais on est célibataire souvent parce qu'on est trop sélectif, parce qu'on ne veut pas briser vos affaires. Donc ne nous voyez pas en danger comme si on est venu, on est en train de chercher vos foyers. Non, on cherche pour nous-mêmes. Mais pendant qu'on n'a pas encore trouvé là, ne nous prêtez pas des noms. On n'est pas comme ça. Ok, mais voilà. Moi aussi, je vais répondre à la place des femmes mariées. Bon, les jeunes filles célibataires qui cherchaient nos maris là, un jour vous serez mariés, vos pays seront personnes. C'est fini. Voilà. Alors, moi, je veux. Apprêtez-vous. Pour nous là, c'est comme ça, ça y est. Mais pour vous qui arrivez là, on ne sait pas comment ça se là. Payez les prises qui viennent là. Elles sont d'accord, ok. Je parlais de l'amitié entre Eunice Zounon et Daisy. Apparemment, vous vous aimez beaucoup. Eunice, c'est ma cousine. Ah d'accord, okay. Il y a une lien de parenté familiale. C'est la première fois que j'entends ça. C'est ma cuisine. Donc comment tu as ressenti le ténor a changé. Oui, le fait que Eunice bastonne ténor comme ça et que la vidéo fuite comme ça sur les réseaux sociaux, est-ce que tu l'as appris pour donner des conseils pour lui dire de ne plus frapper l'enfant d'autrui? Apparemment vous là, si vous mariez les hommes, elle c'est pas pour les frapper. C'est ça. Parce que peut-être que ça vous a dit vous ne pas marier depuis les. Si vous frappez les enfants des gens. Hein? On a vu Eunice ici, elle a cadena et tenant ses yeux rougis, il n'arrivait plus à respirer. Mais il a fait mourir. On peut faire ça. On peut trembler en face de quelqu'un. Est-ce que suite à la bagarre, tu as parlé à ta cousine, est-ce que tu lui as donné des conseils pour lui dire Eunice, on ne fait pas ça. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses pires que ça qui se passent dans les foyers, c'est juste que ce n'est pas filmé. Et ce qui était déplorable, c'est que ce soit sur la toile.
Voilà, parce que moi, je ne me suis pas prononcée sur même leur histoire et tout, sur Internet, parce qu'on a réglé beaucoup de choses en interne pour que ce couple-là, ça fonctionne. Je veux dire, Ténor, Thierry, même, il me parle, Eunice me parle, il y a eu beaucoup de choses. Ce qui a été dommage, c'est que ça vienne là sur la toile. Mais Désir, de toi à moi, pour que ça arrive sur la toile, là, c'est qu'il y a longtemps, c'est elle-là. C'est qu'il y a longtemps, elle le frappe. Elle le frappe il y a longtemps. C'est qu'il y a longtemps, c'est elle-là. Son manager a dit ça, il dit que Eunice a l'habitude de frapper. Maintenant, va faire karaté aussi, ça te dit. Mais un garçon, comme ça, tu laisses la jeune fille te frapper. Mais je dis, mais nous-mêmes, les femmes, là, il y a longtemps, on nous frappe. Si un jour on vous a frappé, ça fait quoi? Laissez pouvoir. Ta vie, Venise. Bon. Tu as représenté la jeune fille. Voilà l'autre là-bas aussi. Bon, vraiment, notre émission. aujourd'hui, vraiment chaud là. Franchement, je ne suis pas très content de toi aujourd'hui. Parce que, non, tu as été un peu trop femme aujourd'hui. Bon, en fait. Je ne suis pas garçon d'habitude. Alors, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Désir, une femme très intelligente, qui est très beau, il faut en parler. On apprécie, on aime beaucoup. Alors, bientôt son nouveau maxi single que je vous conseille d'écouter, de regarder. Bientôt le clip et de partager tout au maximum. Bien des choses à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Big up au PDG Pierrot. Big up à la grande famille Kangala le berger. Big up à boutique chez Kra. Bientôt la réouverture. Tu as dit, elle a déjà dit. Ah, on dirait Désir connaît le nom dans ce que tu viens de citer. Dis-le, redis le nom, Désir va s'exprimer. On connaît tous les noms, t'inquiète. C'est Kangala le berger. Voilà toute la grande famille, ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde, surtout. Sortez couverts, c'est très très important. Alors, merci, à la semaine prochaine. Sortez couverts, merci à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de partager au maximum les vidéos de Fafa. Big up, big up, big up et sortez couverts. Franck Mian, le jeune industriel, on est ensemble.